tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo à la maison, je vais vous présenter des petits achats que j'ai fait dans les différents magasins, vous voyez, nos actions, les magasins on a l'habitude, que j'ai l'habitude de vous montrer, que j'ai l'habitude de filmer. J'ai fait également des petites découvertes hein, sur Instagram, je vous montrerai. Là, alors j'ai mis le ticket de caisse. En fait, les tickets de caisse, je les mets toujours à l'intérieur parce que j'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas et de perdre le ticket de caisse. Elles sont à 5,95 €. C'est vrai que ça paraît cher pour une ampoule, mais le petit détail de cette ampoule, c'est qu'elle est connectée. Enfin, vous allez pouvoir la connecter avec votre smartphone. En gros, vous téléchargez cette application. Moi, je l'ai déjà sur mon smartphone parce qu'en fait, j'utilise les caméras de surveillance intérieure et également le détecteur de fumée. Franchement, les caméras de surveillance, si vous voulez acheter des caméras pas très chères et qui sont vraiment de très bonne qualité, moi, je vous conseille celle d'Action. J'en ai acheté 3 pour la maison et franchement, je ne suis pas déçue. Et moi, j'ai pris ça. Donc, je voulais tester. Je n'ai pas encore essayé. Si ça fonctionne, j'en mettrai une dans chaque chambre d'enfant. Comme ça, ça me permet de contrôler, d'éteindre la lumière quand il la laisse allumer et de vérifier. Donc ça vous permet hein, quand même de faire des économies d'énergie. Donc à tester. Ensuite, j'en profite tout de suite avant de les utiliser. Enfin, j'ai commencé à les utiliser. C'est de la pâte à fixe, pardon. J'essaie d'en trouver Action. J'en ai pas trouvé. Je suis tombée sur un arrivage chez Nose de pâte à fixe. Et moi, j'adore parce qu'on colle plein mal de choses, hein, que ce soit sans que ça abîme. Sans que ça abîme soit le mur, sans que ça abîme le réfrigérateur, les meubles, etc. Ça, je les utilise beaucoup dans les chambres d'enfants. Voilà, j'ai pris ça. Je crois qu'il y en a une autre tablette que j'ai dû laisser là-haut. Donc, un arrivage de cette marque-là, ils ont reçu de la colle également, tube de colle, si vous voulez faire votre petit stock pour la rentrée. 1,39 €. Comme je suis dans la cuisine, j'en profite pour vous montrer. La dernière fois, je les avais achetées, j'en ai racheté parce que elles sont vraiment super bonnes. C'est des dates. C'est des dates d'Algérie. Elles viennent de chez H Market. Là, c'est un paquet qu'on a entamé. Hein. Elles sont franchement fondantes. Elles sont. J'adore. Et en plus, elles sont pas chères puisqu'elles sont à 4,99 € le kilo. Je voulais également vous présenter ça. C'est un égouttoir normalement. Un égouttoir pour. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. J'ai peut-être mal monté. C'est normalement un égouttoir, mais moi je ne vais pas l'utiliser en égouttoir. Enfin, c'est le même principe, vous pouvez l'utiliser en égouttoir, ça c'est pratique pour les assiettes. L'écart il est bien, donc vous pouvez même mettre par exemple les crêpières, les couvercles également de vos marmites, les couvercles de vos poêles. Il est en bambou, alors vous pouvez également l'utiliser en guise de rangement dans vos placards. Moi c'est pour ça que je l'ai commandé chez Temu. Il est vraiment pas mal, la qualité elle est là. Là, pour l'instant, je le laisse là parce que mon égouttoir, il commence à rouiller. Enfin, il est devenu tout moche. Et je me suis dit, je vais remplacer par un comme ça. Et puis, j'ai un autre égouttoir en bambou hein, que je vais ressortir et que je mettrai également. Et je trouve ça super joli. En plus, voilà, je trouve qu'esthétiquement, c'est joli et ça prend pas beaucoup de place. Contrairement aux gros égouttoirs en métal qui sont pas terribles. Moi, ce que vous en pensez, hein, moi j'aime bien. Et même pour les rangements, hein, que ce soit dans vos placards, hein, je pense que c'est ça vous fera gagner de la place, hein, ce genre de rangement. Bon, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a du Action, je repasse chez du Nose. Là, je reviens sur du Nose. C'est du thé noir. C'est pas en sachet, hein, c'est en vrac. 250 grammes, 1,37 €. Et franchement, il n'est pas mauvais, j'aime bien. Donc moi, bien sûr, le thé noir, je rajoute toujours soit de la menthe en fonction des herbes que vous avez à la maison. Moi, c'est beaucoup de la menthe hein, pour faire un thé à la menthe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un haul Temu et je vous avais montré ce mug que je trouve, franchement, j'adore. J'adore boire mon thé, en fait, dans ce genre de mug. Et franchement, super joli. Et puis, ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même assez solide. Et j'ai commandé celui-ci, en fait, j'ai envie d'en commander. En fait, quand j'avais pris celui-ci, j'étais pas sûre de la qualité. Franchement, la qualité, elle est vraiment là. Et puis là, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à une forme de citrouille.
Voilà, poser à des invités, enfin des invités à des copines comme ça, des mugs comme ça, en plus même dépareillés, moi j'adore quand c'est dépareillé. Il y a celui-ci, celui-ci, il y a celui d'action. Il y a celui d'action, mais celui d'action, hein, je sais pas si vous entendez le bruit du lave-vaisselle, il est dans le lave-vaisselle. Vous voyez, le tout simple et tout. Je trouve que c'est beau sur un plateau dépareillé et mettre plein de mugs avec des formes différentes comme ça. Donc voilà, ils sont pas très chers, hein, ça tourne autour des 2 ou 3 euros hein, le mug. Dans cet esprit-là, avec des formes. Alors, je vais continuer avec Nose. Chez Nose, je vous avais déjà montré, hein, je vous les montre d'ailleurs souvent, c'est les sweats comme ça à capuche qui sont vraiment pas très chers. J'en ai acheté pas mal, je vous les ai montrés à chaque fois. Et là, j'en ai retrouvé à capuche taille S. Ils sont à 5,77 € pour ceux-là avec des capuches. Je sais qu'il y a un autre modèle sans capuche qui est un peu moins cher. Alors j'ai pris du blanc et j'ai pris celui-là en gris. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. C'est bien parce que c'est mixte. Voilà, celui-ci il est à capuche. J'aime beaucoup aussi la couleur. Je sais pas où est-ce qu'il est le prix. Alors toujours hein, taille S. Parce que c'est des modèles adultes. Du coup, les modèles adultes, je prends souvent taille S. Non, il n'y a pas les prix. En tout cas, c'est 5,77 € le sweat à capuche. On continue toujours chez Nose. C'est tout frais. J'ai pris ce petit sac que je trouve vraiment très très joli. Il existait en marron. Il existe également en rose. Il y a peut-être d'autres couleurs, mais en tout cas, Saint-Souplet, c'était les modèles que j'avais vus. En plus, regardez le prix. 5,79 €. 99, pardon. Simple. Alors moi je change souvent de sac à main et ça m'arrive de prendre des sacs genre Primark et qui tiennent la route. Après moi je les mets pas tout le temps mais quand on a besoin d'un petit sac noir avec des petites touches en doré et je trouve qu'il fait pas de chip celui-ci, hein. Dites-moi ce que vous en pensez avec la petite lanière comme ça, une partie en doré et puis une partie en simili-cuir. Je vais continuer avec ce pantalon. Pantalon en lin. Alors, je sais pas si c'est du véritable lin. En tout cas, la matière, elle est super agréable. J'ai pris marron parce que c'est vraiment ce qui restait. Ouais, regardez, hein, c'est du 100% lin. On le sent tout de suite, hein, la qualité. Regardez le prix. 4,99 €. Alors, j'ai pris 42. Je l'ai essayé, en fait, ça va. Ça taille petit. Alors, pour toutes celles hein, qui l'ont dans leur, dans les magasins Nose près de chez vous, faites attention à la taille. Hein. Allez essayer en cabine parce que. Franchement, ça taille petit. Même les hauts où il y avait écrit XL, pour moi, c'était vraiment grand maximum du M. Alors, je vous montre la coupe. Alors, la coupe, c'est simple. Moi, c'est le genre de coupe que j'aime bien. J'aime pas quand ça se resserre sur le bas. Moi, j'aime bien quand c'est large d'en haut jusqu'en bas. Vous voyez? Alors, ça se porte avec ce que vous souhaitez, hein, du plat ou à talons ou décompensé. Voilà, je pense que j'ai fait. Ah non, 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 il y a un autre truc que j'ai acheté que je voulais absolument vous montrer. Allez, j'en ai sorti deux, mais j'en ai acheté 12. 12 paquets de café comme ça. C'est des dosettes de café pour machine Nespresso, pardon. Alors, c'est des capsules en aluminium. Donc, moi, je préfère pour ma machine, je trouve que c'est mieux. J'ai testé bien sûr, hein, j'ai tout de suite, quand je suis rentrée, j'ai pris un café et franchement, elles sont bonnes. Moi, j'ai testé celui-ci. J'ai pris également du rouge. Là, le rouge, j'en ai pris, en fait, j'ai fait moitié-moitié. J'ai pris 6 comme ça et 6 comme ça. Je sais pas, le rouge, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, celui-là, il est super bon. Celui-là, j'aime beaucoup. Hein. Pour 99 centimes, c'est donné. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ah, j'avais pas vu qu'il était, il y avait la marque ici de gravé. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.